Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'infliger 100 points de dégâts en 10 secondes dans Survie Glaciale. Alors pour jouer dans Survie Glaciale, il faudra rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 222-875-882-382. Donc vous entrez ce code, ensuite vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Voilà tout simplement, le code sera en description, en commentaire épinglé bien entendu. Et là je vais vous expliquer comment réaliser le défi. Ok, donc quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur option et vous allez dans menu lancer le jeu. Alors moi ce que je vous conseille c'est de choisir la zone rouge, je pense que c'est le mieux. Ah bah, j'ai pas pu vraiment la choisir. Ça m'a directement lancé ici. Alors ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger 100 points de dégâts aux zombies en 10 secondes. Donc moi ce que je vous conseille c'est de monter dans les manches, là je suis manche 2. Ensuite ce que vous faites c'est que vous tournez autour des zombies pour bien les paquer. Donc regardez, ils sont bien tous réunis. Et quand ils sont tous réunis, eh ben vous prenez votre arme. Et vous tirez dessus comme ça. Après, je sais pas s'il y a assez de zombies. Je pense qu'il n'y a pas assez de zombies. Mange 2 pour faire 150 de dégâts. 10 000 de dégâts en 10 secondes. Donc là, je suis peut-être à, je sais pas moi, 3-4 000. Donc là, j'ai pas réussi. Donc je pense que je vais attendre la manche 3. Donc vous n'êtes pas obligé de tuer les zombies hein, pour passer les manches. Vous attendez juste que le compte à rebours se termine. Si vous avez des munitions, si vous en voulez, je vais en racheter parce que. Voilà, c'est bon. Et là, hop, regardez, la manche passe, les zombies disparaissent. Et là, je vais atteindre la manche numéro 3. Donc, comme ça, il y aura plus de zombies et j'aurai plus de chances de faire 10 000 points de dégâts en 10 secondes. Après, regardez ici, il y a des autres armes. Hein. Donc là, c'est level 4, level 6, level 8. Donc je pense que plus tard, il y aura des grenades et tout ça. Donc les grenades, ça peut être fort utile. Donc là, je pourrais peut-être prendre cette arme. C'est un pistolet mitrailleur qui fait pas mal de dégâts. C'est le pistolet mitrailleur à charge. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais paquer tous les zombies. Et vous voyez, il n'y a pas assez de zombies encore. Hein. Bon, après, il y a un gros zombie. Enfin, il y a 2-3 gros zombies. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'ils ont plus de vie. Donc là, je vais charger mon mitrailleur à charge. Hop. Et là, je tire dans tout. En plus, je pense que les zombies ont pris de la vie. Donc là, il y a moyen de faire salement du dégât. En 10 secondes, là je pense que j'ai dépassé les 10 secondes. C'est rien, on continue. Ouais, ça va pas être possible. Hein. Je pense qu'on va attendre la manche 4 pour essayer parce que là ça va pas être possible, je crois. Okay, donc regardez, le niveau 4 ça vous donne une disqueuse. Donc je crois que je vais la prendre. Voilà, je pense que ça peut faire pas mal de dégâts ça. Donc on va tester. On va attendre que les zombies arrivent, on va les paquer et on va utiliser la disqueuse. Donc là, je suis manche 4. Hein. Je suis à la manche 4. Donc j'ai débloqué ces machines-là. Donc là, il y a de plus en plus de zombies, de plus en plus de gros zombies. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les paquer et on va lancer des scies. Tac, tac, tac. Voilà, maintenant on switch, on prend la petite mitrailleuse. Voilà, ensuite on prend l'autre mitrailleuse. Hop, on prend celle-là. Et je pense que j'ai dépassé les 10 secondes. Donc ça n'a toujours pas fonctionné. Il faut que je trouve une autre solution. Peut-être que je vais attendre la manche 6 ou la manche 8. Peut-être que j'aurai une machine de mort. Parce que là, c'est un peu délicat. J'arrive pas à faire 10 000 de dégâts. Ok, donc là, en tuant un zombie, ça m'a donné des grenades. Donc on va tester avec les grenades, peut-être que ça peut fonctionner. Hop, hop, hop. Voilà, regardez, j'ai réussi avec les grenades à faire 10 000 de dégâts en 10 secondes. Donc franchement, il faut absolument que vous tuez des zombies jusqu'à temps que le zombie ben, vous donne des grenades ou voire monter dans les manches pour essayer de débloquer une machine de mort, là, une grosse batteuse, et essayer de faire un maximum de dégâts en 10 secondes. Donc voilà. Dès que vous aurez infligé 10 000 de dégâts en 10 secondes, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace!